Le livre de Fidel Kita, Les reporters du fait, offre un récit poignant de ces événements tragiques. Journaliste basé à Goma, Kita a été témoin direct de l'éruption et a documenté ses effets dévastateurs. Son livre retrace les heures et les jours qui ont suivi l'éruption, capturant la peur, la confusion et le désespoir des habitants. Vous êtes sans ignorer que nous avons un problème lié à la documentation. Les deux récentes éruptions volcaniques de Nyiragongo qui ont eu lieu ne sont pas documentées avec détail et précision jusqu'à ce jour. Et en tant que journaliste, lorsque j'ai couvert l'éruption volcanique de mai 2021, je m'étais dit qu'il faudrait quand même que je puisse aider non seulement les générations présentes, mais aussi les générations futures à avoir une information détaillé sur l'éruption volcanique de Nyiragongo de mai 2021. Vous y retrouvez, donc c'est un récit des faits dans lequel vous y retrouverez des interviews, des témoignages, des déclarations. Et je raconte dans ces livres tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu durant la période éruptive. En parcourant les quartiers touchés, on observe des signes de reconstruction, des maisons en tôle et en planches de bois ont été construites sur les anciennes coulées de lave. Les habitants déterminés à reprendre leur vie en main ont retroussé leurs manches et s'activent à reconstruire leur foyer. Nous ne sommes pas tous rentrés au même moment. Cela dépendait des conditions de vie dans des camps. Chacun rentrait selon ses moyens. Ceux qui trouvaient des tôles construisaient des maisonnettes juste pour retourner dans ces parcelles. Ce qui a conduit au retour, c'était quand le gouvernement avait interdit de revenir dans ces parcelles. Les gens ont trouvé difficile d'aller vivre dans des endroits éloignés et de ce fait, ils sont vite rentrés sans attendre l'aval du gouvernement. Les maisons ne sont pas construites comme il le faut et ceux qui avaient un peu de moyens, ils ont construit avec des blocs. Mais ce n'était pas toujours comme avant. Quand le volcan est passé, nous nous sommes réfugiés dans le camp et là, tout a été difficile. Nous nous sommes décidés à revenir, même si la lave était encore chaude. Parce que dans le camp, il manquait la propreté. Nous étions vraiment dans des conditions difficiles. En sortant de là, c'était chacun pour soi. Le gouvernement nous a promis des tôles et depuis lors, rien. Cependant, la situation reste difficile pour beaucoup. De familles entières vivent encore dans des camps de fortune en territoire de Nyiragongo, abandonnés par les autorités. Le manque de nourriture, d'eau potable et de soins médicaux est criant. Ma maison a été détruite. Les autorités ne viennent plus nous voir depuis l'arrivée des déplacés. Ils nous ont oubliés. Je connais encore où se trouve ma parcelle. Le problème, c'est le manque d'argent et de courage. Ceux qui ont l'argent veulent s'approprier de nos parcelles. Que les autorités nous viennent en aide, parce que tout le monde ici court partout et nous ne savons pas quoi faire. Quand le volcan est passé, nous nous sommes réfugiés dans le camp et là, tout a été difficile. Nous nous sommes décidés de revenir même si la lave était encore chaude, parce que dans le camp, il manquait la propreté. Nous étions vraiment dans des conditions difficiles. En sortant de là, c'était chacun pour soi. Le gouvernement nous a promis des tôles et depuis lors, rien. Le livre Les reporters du fait est un exemple de la contribution importante que les journalistes peuvent apporter à la compréhension des événements tragiques et à la mémoire collective.